Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment supprimer les résultats qui sont identiques dans un select, donc ce qu'on appelle les doublons. Donc il peut arriver que quand on fasse un select, on obtienne des résultats qui soient similaires. Par exemple, je vais regarder, on va regarder la table rendez-vous. Alors, supposons que je vais récupérer tous les numéros des clients qui a eu des rendez-vous. Donc là, je vais écrire ça comme ça, hein. Je veux tous les numéros des clients qui ont eu un rendez-vous. Donc si je fais ça, finalement si je veux savoir tous les clients qui ont un rendez-vous, ben là je serais tenté de répondre il y a 10 clients, mais quand on regarde, il y a ce qu'on appelle des doublons. Hein. Le 2 il est venu plusieurs fois, le 3 également. Donc pour faire ça, on va utiliser non pas, on va rajouter distinct. Voilà, on va dire je veux tous les numéros des clients distincts. From RDV. Donc dans ce cas-là, de 1, 2, 3, voilà, j'ai mes 7 clients. D'accord? Donc 7 clients, c'est-à-dire que les numéros qui ont été en double, qui étaient en doublon, ils ont été supprimés par le distinct. Donc on va regarder un autre cas. Par exemple, je veux savoir tous les clients qui ont versé moins de 500 euros sur leur compte. Alors il y a une table qui s'appelle Mouvement. Mouvement, c'est les opérations bancaires, hein, et dans lequel le montant, moi je veux qu'il soit inférieur à 500 euros. Donc tous les clients qui ont fait ça. Alors si je fais ça, pareil, là on me dit non, j'ai pas 6 clients qui ont fait ça. Hein. J'en ai donc le 6 il est venu deux fois, le 3 deux fois. Donc je rappelle ma commande dans l'historique là et je vais rajouter que dans mon résultat, je veux que l'ID client soit distinct, donc qu'il soit unique. Donc on enlève les doublons et donc finalement je peux dire voilà. J'ai 4 clients qui ont versé des montants inférieurs à 500 euros. Peut-être déversé des montants supérieurs, mais ils ont fait au moins un versement sur des montants inférieurs à 500 euros. Et donc, quand je dis mon nombre de clients, là, bah, je ne les compte pas en double. Donc voilà, je suis super content. Comme d'hab, hein, on a atteint l'objectif. Donc sur ce, bah, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.